Salut à tous, nouvelle sortie détection avec ce beau soleil, magnifique, la classe, franchement excellent. Je suis accompagné encore ma caméraman. Ça va? Ça se passe bien? Elle dit jamais rien, vous entendez juste gémir. Hein? Tu veux dire quelque chose ou pas aux abonnés? Lâchez un like et abonnez-vous. Ah, ça j'aime. Lâchez un like et abonnez-vous. Mais par contre, ça c'est à la fin de la vidéo que vous lâchez un like. Hein. Pas maintenant. Hein. Il faut la voir complètement. Voilà, accompagné de mon fidèle destrier. Et donc. Ah, regardez ce que j'ai. J'ai des petites copines. Regardez. Petites abeilles, elles sont là. C'est joli. Magnifique. Donc voilà, donc j'étais dans ce champ au bout là-bas. Et donc on va se taper ce petit champ. Hein? Voilà. Donc, moi et mes petites abeilles, hein, on vous dit à la prochaine, à la première trouvaille. Allez, tchuss. Allez, la voiture est juste là. Là, j'ai fait une merdouille. Et deuxième cible. What is the coin? Alors, c'est quoi? Et toi au soleil? On va savoir. 10 centimes la peau. Oh non, c'est une 5 centimes. Tourne là de l'autre côté. 5 centimes. L'an 7, je crois. Frotte-la un peu plus. Un peu plus à frotter. Sur les doigts. Vas-y, frotte. Encore, encore. Ah, elle sera magnifique celle-là. Ah ouais. Oh putain, une patine magnifique. Désolé du gros mot. Hein. Frotte, frotte encore, vas-y. Oh là 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 là. Ah ouais. Elle est magnifique. L'ancêtre, c'est ça? L'ancêtre. Ouais, l'ancêtre. Franchement, elle est mais d'une beauté. Ah ouais, excellent. Super. Ah, ça fait déjà plaisir. Franchement, deuxième cible, première monnaie, nickel. Bon, bon, on va continuer dans ce champ. Hein. Il a l'air d'être prometteur. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Ouais, salut à tous. Nouvelle sortie détection. Deuxième jour. Hein. Là j'ai garé la voiture là-bas. Parce que hier j'étais dans le champ de l'autre côté avec ma fille. Hein. Donc j'avais fait cette partie de champ de l'autre côté. Et j'avais fait juste une 5 centimes révo. Et là ce que je vais faire, je vais attaquer ce champ qui était de l'autre côté de nouveau. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est le champ où j'avais invité aussi une détection dans ce champ-là. Hein. Et puis quelques champs qui se trouvaient là-bas, voilà. Ou là-bas. On va dire dans tout le secteur, j'ai les autorisations, donc voilà. Donc il y a de la place. Et donc là, ben, j'ai jamais fait ce champ encore. Donc ce que je vais faire, ben, je vais le faire, et puis on va voir. J'attaquerai prochainement le champ là où j'ai fait la 5 centimes révo. La prochaine fois, mais là j'ai envie de faire celle-ci. Parce que j'ai la voiture qui est garée juste à côté. Et comme là-bas, il y a encore beaucoup de flotte et tout ça. Et que j'ai pas le berlingot, donc j'évite de passer avec la petite voiture. Voilà. Donc ce que je vais faire, bah, dès que j'ai une trouvaille. Première trouvaille, je rallume. Voilà. Ouais, première cible. J'ai fait pas mal de merdouilles. Hein. J'ai juste fait, je pense, un passant de. Là-bas, un passant de quelque chose, je sais pas ce que c'est. Et là, j'ai fait, je crois, un bouton. Ouais, c'est le bouton. D'abord, je pensais que c'était une monnaie. Et en la retournant, j'ai trouvé que ça avait l'air bizarre. Donc c'est bien un bouton. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Après le bouton qui était juste là-bas. Donc j'ai zigzagué un peu à droite et à gauche. Et là, à même le sol. Hop là, ici. Boum boum. Voilà, un petit plot de sac. Rien d'exceptionnel. Hein. Franchement, c'est pas la folie. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, il y a des petites inscriptions. John? Non. Impossible. Non, je pense pas.
L'autre côté c'est pareil, hop. Bon, ça reste un petit plan de sac, hein. Voilà. Allez, je vais continuer et je vais voir peut-être changer de champ, aller dans le champ d'à côté, hein. Si ça donne rien, voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Voilà, nouvelle monnaie pour moi. Par contre, dans ce champ, franchement, je galère. Y a rien. À part deux, trois anneaux là-bas, qui étaient ensemble, hein, deux anneaux, je crois. Les merdouilles, le dernier pont de sac, et puis là, une monnaie. Franchement, mais bon. Comme on a dit, ouais, y a plus d'espoir. Elle est rincée, tu es rincée, ça, là, ça c'est ça. Ça, c'est sûr. Elle est vraiment rincée. Hein. De nouveau les types il y aura les queues, hein. des petits centimes, voilà. Bon ben écoutez, ce que je vais faire, je continue encore un peu ici et puis taper le champ qui est juste là bas voilà, on va voir s'il y a d'autres choses là bas allez, prochaine trouvaille, tchuss. Ouais, nouvelle monnaie après monnaie qui était juste là bas hein. Là j'ai une nouvelle monnaie encore dans sa motte. Hop là, ici, et je pense que c'est la même chose. Hein. On va voir ça. Hop là. On se mettre à la lumière. Ah non, je crois que c'est le pfennig. C'est le petit pfennig. L'anti-bredouille. Ouais, c'est ça. 1875. Voilà. Ok. Le petit pfennig. Hop là, doucement. Doucement, petit pfennig. Alors pas mal, mais bon, après c'est quand on le nettoie qu'il commence à prendre cher. Hein. Souvent. Voilà. Il n'y a plus trop de patine. On commence à voir le petit vert de gris au-dessus là. Ça promet. Voilà. 1875. Allez. Je vais quand même continuer un peu. Hein. On va voir ce que ça va donner. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Bon, voilà, nouvel objet. Le pfennig était juste là-bas. Et donc là, je me suis dit, je vais retourner à mon sac qui se trouve là-bas pour aller boire un thé. Et là, j'ai pas encore vu ce que c'était. Il me semble que je crois que c'est un bouton. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit bouton à l'encre, à la grenade. Ouais, il aura de beaux restes celui-ci, c'est cool. Il aura de beaux restes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore la tâche? Ouais, il y a encore la tâche derrière, super. C'est cool. C'est cool, c'est magnifique. Voilà, donc celui-là, bah, je le dédicace à tous ceux qui aiment les boutons à la grenade. Hein. Voilà, bon, celui-ci est particulièrement en aluminium. Après, il y en a en cuivre. Parce que souvent, la plupart du temps, les monnaies en... les boutons en alu, hein, ils prennent cher. Ils prennent cher souvent. Mais là, on voit bien, là, il y a déjà un petit peu de concrétion. Là. Voilà, ouais, ça fait plaisir. Donc, en fin de compte, il faut attendre au moins 2 heures de détection avant de trouver quelque chose dans le champ. Bah, des fois, c'est comme ça. Hein. Des fois, vous détectez pendant 2-3 heures. Rien, et puis d'un seul coup, hop, une petite monnaie sympa. C'est ce que j'avais fait avec la Louis 13, hein, Louis 14. Hein, où dans le champ, ben, j'avais fait 3 heures de détection, 3-4 heures sans rien faire, hein, que des cochonneries. Et puis en fin de compte, ben, sur les bords du champ, hein, la petite monnaie en argent, sympa. Voilà. Je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez la visionner. Comme ça, vous pourrez voir les merdouilles que j'ai faites et puis cette monnaie. Voilà. Allez, sur ce, bah, je continue. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Voilà, une nouvelle monnaie. Après, ouais, le bouton était juste là-bas. Bouton, pfennig, voilà, juste là. J'avance en diagonale, hein, toujours en direction de la voiture. Pour aller chercher mon thé. Et là, hop là, une nouvelle cible ici. Pareil. C'est type les centimes de. Des culs, je sais pas quoi. Hein. Je sais pas comment on appelle ça. Il faudrait que je prenne plus attention aux petits sabots que je récupère souvent. Bon, en tout cas, les sabots, hein, ça c'est sûr. Il n'y a plus rien à en tirer. Voilà. À part comme je tourne caddie peut-être. Voilà.
Allez, je rallume à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Voilà, monsieur le faisan qui se promène tranquillement. Et vu que j'ai pas mangé, j'aurais bien mangé un faisan. Voilà. Allez, c'était la petite minute nature. Allez, prochaine trouvaille. Allez, nouvel objet pour moi, du moins un bouton. J'avais pas envie de filmer. Mais en fin de compte, je me suis aperçu que en le frottant un peu, il y a quelques petits décors sympas, sympathiques, regardez. Hop, voilà. Des petits motifs floraux comme ça. J'avais pas envie de le filmer. Voilà. Allez. Je vais continuer encore une petite heure et puis après, puis on fera le bilan des trouvailles. À la voiture. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez, une nouvelle trouvaille pour moi, une trouvaille insolite, regardez. Voilà, ce qu'on sort de terre. Bon, j'ai déplié. Il était bien plié. Il était plié en trois. Voilà. Saint-Hubert, ramassage et cueillette interdit. Voilà. Donc, à mon avis, je sais pas où ça se situe, c'est exactement Saint-Hubert, j'ai pas le temps de regarder sur le téléphone. Voilà. En tout cas, c'est pas ici, ça c'est sûr. Ah, voilà. Trouvaille insolite. Hein. Ah, il était bien une trentaine de centimètres là. Il était bien enfoncé celui-là. Voilà. Bon allez, encore je pense une petite demi-heure. Et après, ben, on fera le bilan des trouvailles à la voiture. Allez, tchuss. Bon ben, voilà, sortie détection finie. Là, il est plus de 15h. Hein. Voilà, donc ça fait encore 4 bonnes heures de détection encore aujourd'hui. Donc avec le bilan des trouvailles. Alors, donc on avait pas mal de douilles. Ouais, il y en a 3, 6, 7, 8, 9. Plus encore deux autres objets là, mais je sais pas ce que c'est. C'est les mêmes objets, c'est ça le pire. Quasiment. Je sais pas, je pense... À mon avis, il doit y avoir un câble électrique à l'intérieur. C'est de l'ancienne gaine, je pense. Voilà, cette petite plaque. Que je n'ai pas filmée aussi. Et moi, cette petite plaque, non, parce que, en fin de compte, ça devait aller sur un manche d'outils agricoles. Ça devait aller sur un manche d'outils agricoles. Voilà, après, balles de mousquet. Hein, 3 balles de mousquet. Aucune idée. Reste de coulure de bronze. Je pense parce qu'il y a des petits reflets violets dedans, donc c'est du bronze, de la douille, hein, il y en a aussi pas mal, hein. J'en ai fait pas mal aujourd'hui, voilà, et puis voilà une boîte, ce que c'est, filet de maquereau, je sais pas quoi, ouais c'est ça, ouais, filet de maquereau, voilà, du cuivre, là, encore des restes, pareil, déchets d'aluminium, un fil de cuivre. Voilà. Bon, ça c'était le reste de la conserve que j'ai fait un peu plus loin. Un peu couvercle. Hein. Voilà. Cet objet aussi. Un reste de réflecteur de vélo. Vélo ou mobilette, je sais pas. Dans les années 60, 70. Voilà. Donc pour les nostalgiques, hein, ceux qui connaissent. Voilà. Un gros big up à vous. Voilà, c'est tout. Ouais. Et maintenant, les poulets trouvailles. Donc là, j'ai 3 anneaux. Du bouton. Donc ça, c'est un bouton en zinc, je suppose. Ouais. Un autre bouton. Que je n'ai pas filmé, pareil. Hein. Pas grand intérêt à ce qu'il soit filmé. Celui-ci. Avec les petits motifs floraux, là, le petit décor super sympa. C'est joli. Voilà. Après, là, petit bouton à la grenade,
Voilà. Le petit plan de sac. Et dessus, il y avait écrit. Alors, je sais même plus. Ouais, c'est ça, là, de l'autre côté. Hop. NOF. NHOF. Voilà. Avec un espèce de petit blason, ou j'en sais rien. Aucune idée. Voilà. Et puis les monnaies, donc le petit Pfennig là, super. 1875. Là, pareil, une type liard. Ça, c'est un bouton encore. Ah non, je me suis trompé, je pense. Je l'ai mis dans les boutons, dans les monnaies. Oui, type liard à l'écu, hein. C'est les monnaies, hein. Les centimes. Les centimes Réo. Voilà, là, c'est pareil, c'est un peu plus gros. Aussi pareil, hein. Je pense du centime Réo, mais du vieux. Du moins du vieux, non? Parce que quand vous voyez celle-ci, donc ça c'est 5 centimes Revo. C'est celle que j'ai faite hier, dans l'autre champ. Voilà, c'était le deuxième trou que j'avais fait. Voilà, et franchement, ben, elle est tip top. Elle a quelques. Elle est un peu vieillie, ça c'est sûr. Mais elle est encore pas mal, ça va. Elle a de beaux restes. Elle a de beaux restes, voilà. Super. Donc voilà, bah, c'était tout. Hein. Ah si, et puis j'avais fait encore. Attendez, hop là, je vais poser le téléphone. Voilà, désolé, j'ai repris. Voilà, hop. Et puis cette petite attache là. Vous voyez, quelques petits décors. Je sais pas si c'était un reste de passant ou quelque chose comme ça. Mon avis, hein, boucle ou je sais pas, aucune idée. Je pensais une lame d'harmonica, mais ça m'étonnerait. En tout cas, là, c'est cassé. Voilà. Alors, j'en ai aucune idée. De l'autre côté, il n'y a pas de décor, ça, c'est sûr. Voilà. Bon, bah, sur ce, voilà, c'est super. On va passer une bonne journée. Détection, parce que de toute façon, le reste de la semaine, c'est pluie, pluie, pluie et pluie. Voilà. Donc, moi, bah, écoutez, ce que je peux vous dire, bah, je vous souhaite tout simplement bah, une bonne semaine, hein. Puis j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Voilà. Ah, il y a ça aussi, j'ai oublié de filmer. Voilà, ma petite plaque que j'ai nettoyée. Voilà. C'est insolite ça aussi comme trouvaille. C'est insolite. Voilà. Donc je peux me mettre ici, hein, éventuellement. Hein, ramassage et cueillette. Interdit. Voilà. Donc est-ce que ça, on a le droit de le ramasser, je sais pas. Hein, vous me direz dans le commentaire si on a le droit de le sortir de terre. Hein. Sinon, on peut se cotiser, hein, puis faire un joli colis et puis envoyer aux archéologues. Voilà, comme ça ils pourront les étudier. Les merdouilles. Allez, arrêtez de raconter des bêtises. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Et je vous dis à plus, hein, pour une sortie détection. Allez, tchuss.